Aboubacar Salou Soumaré, Mangé Niou, Merlin Ulrich, très bonne soirée, waouh, Khalid Diédiou, salam la patriote, toi aussi. J'espère que vous êtes un petit Mangé Disney, sous mon grand frère, dans le Mali, pour faire un midi, midi, midi sud, Mangé Niou, je l'ai rassuré, Mangé Niou, Mangé Niou, Mangé Niou, Mangé Niou, c'est toujours beaucoup de un plaisir waxtana gel ci ci tollu wayu rewmi comme niñ tay faral di défé assez souvent waaw gis ñen son bima andi nak c'est d'actualité les fans de Oumar Femi comprendront pourquoi m'a choisir chanson bi nga xamné ça parle du monde rural sen toli moyen yi ñu am assez réduit li nga xamné am nañ ko di ci gor gor lu ñu war nañ ko bayel donc chanson bi c'est une ben genre complainte la ci yakarna né complainte bobu jamono ji nit ñan koy dundu dans la diaspora mané ni ñaan yeen ñep rek ngeen partager comme vous le savez c'est les partages qui vont faire véritablement la réussite waxtan bi. Dama amone tay une invitation avec la DTV avec Modou Mbakenyon ñu doon waxtaan ci lepp luy relance de l'économie sur la place d'agriculture ma paré mané comme l'idée du paré na génn rek def ben sortie bu gaaw d'une demi-heure maximum profiter temps pour répondre à des questions s'il y en a bien sûr. Donc, je vous invite à partager partagez la vie, partagez la rencontre, Aminata Bellamy, j'espère que Yang Sidam, ça fait longtemps. Mamoudou Ba, mon cher ami, ça fait très longtemps, j'espère que Yang Sidam. Volume, donc, Hara Mawani, son bi. Mawani, enlevez la musique là. Donc, j'espère que Yang Maïdeg Bouba. Confirmez-moi que vous m'entendez bien, s'il vous plaît, comme ça. Si vous m'entendez bien, nous pouvons démarrer waxtan bi nga xamné mom lañ fassiyéné amal tay. Est-ce que vous m'entendez bien? Ñi nga xamné ñu ngi suivre rek nañ ma mëna tontu le volume. Raphaël me disait le volume. Est-ce que le volume va bien en ce moment? Est-ce que le son est bon? Donc, je voulais remercier. Alors, prétexte ou Wartanbi, c'était comme je vous l'avais dit, véritablement, nous aussi, Djangat, ce qu'on a entendu sur le discours du président Bi. Comme nous avons dit, c'est le sujet Bi, on va parler rapidement de. Aminata Bellamy, de Gle, Kham du Pehe. Balaga, Kham du Pehe, Gai Pehe, Tiro, Amul Kham. Bobu gay xamne xam du pexé sak pexé ci lo amul xam lu rewmi luñu duggal rewmi tay rek lolo ci duggal donc ma leni gëreub yeen ñep kenn ku ci nek rapidement buguma live bi guddou on a écouté le président de la république hein mune on va lever le couvre-feu on met fin à l'état d'urgence sanitaire ci rewmi. Et partant de là, on va relancer l'économie. Alors, encore une fois, comme d'habitude, on pêche toujours par cette absence de la planification. Mais madame, de nous planifier quand on veut faire quelque chose. On est tout le temps dans la précipitation. Nous avons une gestion du coronavirus,
Au lieu que nous def comme ni réew ñep def et puis on a eu 2 mois observer Chine, observer France, observer Italie, observer Espagne. Ñep xamnañ né les équipes de planificateurs avaient identifié 4 phases et que 3e phase moy phase bi nga xamné ci gay def couvre-feu wala ci gay def confinement général. Ñun nak dañoo xey ñu am ay cas ñu daldi adopter couvre-feu même si on n'avait pas réalisé que couvre-feu dina am des conséquences graves sur notre économie. Le confinement général moy équivalent couvre-feu plus ou moins bokoy jël dang ko wara jël phase bi nga xamné moy phase bi nga xamné tu es au summum au niveau en termes de niveau de risque le nombre de morts semaine bi nga xamné tu t'attends à ce qu'il y ait le maximum de nombre semaine bobu nga warona jël une décision aussi grave que couvre-feu. Le problème est que biñu commencé démarrer la gestion ci lañ jël couvre-feu té buñu défon plan né dina am phase d'observation dina am 4 les 3 phases et que 3e phase bi lañuy jël les mesures les plus graves comme couvre-feu et que ñu observer et puis ñu déterminer un nombre de morts né par exemple buñu yeggé à un statut de 200 morts enregistrés sur le territoire national ci lañuy déclarer couvre-feu. Lors buñ amone plan bobu peut-être qu'on se rendrait compte que après 2 mois meun nañu repousser couvre-feu bi jusque dans 2-4 mois ci kanam wala lenen wala lenen. Donc quand tu as un plan et que les mesures les plus graves tu da nga len prévoir pour la phase la plus grave, tu as tout le temps d'analyser à travers des textes pour des tests que tu fais pour xam ban semaine lay jël les mesures les plus graves et que finalement bu fekkante ne couvre-feu mën nga ko bañ a def foofu ngay xamee ndax mën nga ko bañ a def wala mënoo ko bañ def mais doo xëy rek ñu ne kët na jonn ñuy wax waxu cas kenn dar ki dara xewagul nga déclarer couvre-feu. État d'urgence sanitaire nag c' est tout à fait normal parce que je peux comprendre avec les lenteurs de l'administration l'état d'urgence permettait à l'état de pouvoir procéder plus rapidement kooku man je suis tout à fait d'accord. Par contre couvre-feu bi c' était une mesure bu nga xam ne ça devait coïncider ak phase bi gën a critique. Mais phase bi gëna critique pour nga xam ko fof nga def un travail de planification pour xam à tel nombre de morts lay déclarer couvre-feu wala lañuy commencer def ay confinement des choses comme ça et c'est ça qu'on a vu en France, États-Unis, Canada, partout loolu lañu gis. Donc may ñaan ñi dugg ñëpp s'il vous plaît partager le live pour permettre véritablement nit ñi gën ci mëna partager. Donc limay deuxième élément bima jang ci discours président bi moy xam nga dans la vie rien n'est parfait. Gestion COVID-19 bi quand on fait buñu défé diagnostic bi xam nañ né sur question au transport bi, sur la question de la planification, sur les denrées alimentaires, sur la question économique, cette partie bo ci jël le bilan il est mitigé. Il faut reconnaître la vérité et puis xamné amna lu bax amna lu bon mais dans le discours du président on n'entend pas ben critique do gis mu reconnaître né tel secteur baxna baxul li def na war non on a tendance à tout magnifier et erreur tout magnifier moy population yi lay déglu ñom ñi nga xamné xamnañ né transport vivre bi baxul ñi nga xamné y a pas eu de transparence sur la gestion des marchés ñi nga xamné xamnañ né couvre-feu bi amna eu des dérapages. J'ai vu que la police nationale dafa décerné wu mom sen walu bop ben satisfaisi lu nga xamné nit ñe ko waron def ñom ñu né ñom tout va bien réew duñ ko yoré non. Il faut accepter que les autres t'évaluent, il faut aussi accepter que li ngay def am du côté positif am du positif am lu ñu wara défarat d'autant plus que né le sentiment général moy il y a eu ben chaos bu am ci gestion bi. Donc quand tu fais un discours et que tu ne reconnais pas quand même des évidences mais da fay joxe ñaari image yu en tant que dirigeant day wone un leader qui refuse de reconnaître la vérité quand elle est en face ci ki nga xamné il ne reconnaît pas la réalité, il ne parle pas de la réalité. Comment il va être capable de dire aux gens je vous propose un plan de relance de l'économie nañ ci and bu dé yow situation réew mi tay li nga ci wax ñepp xam nañ né li nga ci wax soit da nga bañ a reconnaître quoi qui parce que tu ne veux pas évaluer non mën a bañ a def évaluation ba nopi bëgg a wóor nañ ni sur un plan de relance économique. Voilà déjà un premier problème. Deuxième bi dame Diouf bul yàq suma analyse waaye
C'est mon frère. Deuxième bémol, quand tu es dans la nature, quand tu ne reconnais pas ça, moi, tu donnes l'impression que tu es déphasé. Ben, il y a une population l'impression que je suis un président qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans ce pays. Dans l'un comme l'autre, bahoul. Parce que mon autre impression que y a où tu ne reconnais pas la réalité, ou alors tu as l'impression que y a où le dévier de la réalité. Comment le faire tu décrives, comment le faire tu. Et dans le discours du président, donc, là, mon qui forme le discours. Maintenant, l'ingahamne, je trouve que c'est positif. Encore, c'est positif parce que de nous rejoindre ce que depuis des années et des années et des années. S'il vous plaît, partagez la live, vous le partagez. Merci de partager. Le malheur, c'est que les me trouver positif, moi, maintenant, le président Macky Sall nous parle de nos forces. Il faut compter sur notre propre force, il faut sauver nos vies, il faut sauver notre économie, il faut sauver notre pays. Mais l'imaginaire avec moi est le nôtre. Là, on voit que Ningui fait que si tu dis qu'il faut plus de patriotisme, il faut relancer l'économie là-bas, il faut construire, penser l'économie depuis nos territoires, il faut compter sur nos propres ressources, il faut compter sur nos propres territoires. L'Inkolon pays, bon, les fins ou discours, tu l'as. Lolo moy ci nga xamanteni ni mën nañ ni bon mieux vaut tard que jamais que mu comprendre li nga xamné ni mom moy dox ci aduna bi moy un état n'a pas des amis, un état n'a que des intérêts et que so bëggé sa liberté dafa am prix et que tes meilleurs amis, tes meilleurs actifs yi nga mëna am pour développer un pays c'est moy ce souffle, moy sa ndox, moy sa électricité, moy ses cultivateurs, moy ses éleveurs, moy sa diaspora, moy ses chefs d'entreprise. C'est eux, ñom ñoy la ressource première, ñom ñoy nek la priorité. Quand tu fais un plan d'émergence, xaliss bi ci ñing koy pousse pour mu dem fa, moy une sénégalais yoy ci ñoy nga wara pousse à l'analyse. Malheureusement, ça apparemment maintenant la koy doora xam. Maintenant bu ko xamé, j'espère qu'il comprend aussi que ne xam xam bu xamé lolu légui ba nang ko. Il va falloir qu'on ait un débat sérieux sur la souveraineté économique, sur notre capacité nous-mêmes à pouvoir émettre ce qu'on appelle la dimension productive de la monnaie. La monnaie permet de produire, permet aux entreprises de produire à travers le crédit. Il nous faut émettre, il nous faut avoir un taux directeur. Ça, c'est des éléments importants de feuille de goût. Et ça demande impérativement une nouvelle posture en tant qu'homme d'État. Un peu plus souverainiste, un homme d'État qui fait plus confiance aux Sénégalais, à ses territoires, avec une dimension très panafricaine et qui est forcément donc dans une logique d'opposition à certains pays qui aujourd'hui japonais sans développement d'un am au détriment de notre développement. Voilà ce que ça implique. Et quand tu analyses tout ça, que les discours bi muy wax, li muy wax, je ne pense pas malheureusement que ne qu'il est prêt à avoir le courage hein, de cette posture. Parce qu'un homme politique, n'y est-il. Un politique, c'est un homme d'abord qui a des valeurs. Ensuite, il faut avoir le courage de ces valeurs. Courage, bobunga pour tes valeurs, moi, tu as une vision. Tes visions, bobunga am aussi, donc tu vas avoir suffisamment d'intelligence et d'écoute pour que nit ñi mën la dalal. Parce que plan bi nga xamné mo wara exécuter vision bobu, plan bobu du ben nit mo koy defal, c'est toute une équipe. Mais ce fait que yow tu es un homme politique bu nga xamné amo l'intelligence d'écoute do déglu té li ñi wax mëno ko xam mëno dem fait. Donc homme politique bu nga xamné amul valeur, amul courage, amul intelligence et écoute, koku il va avoir du mal à assumer l'image dégueu du discours, moi, non, compter sur nos propres forces, compter sur notre propre économie, protéger nos vies, relancer notre propre économie. Lolo, dafa am valeur yu mou laaj, dafa am courage bu mou laaj, dafa am posture bu mou laaj, dafa am plan bu mou laaj. Et malheureusement, je pense que dess na lu bari pour ñu yegg fofu. Donc, lolo, en introduction, par rapport au discours, lolo la nga xamantene ni warna ko mëna andi. Maintenant, pour rentrer plus au vif du débat, parce que l'imawarni c'était juste ben introduction, il faut aussi comprendre que la relance, il faut d'abord qu'il y ait une résilience. Aujourd'hui, on a mobilisé beaucoup de fonds,
mais dañuy relancer l'économie. Résilience bi c'était l'action à court terme moy li nga xamné dañ ko wara def tout de suite pour économie bi té ça faut ñu évaluer ko li len ay dem boj wax et des autres ministres nénen maintenant voilà on lève l'état d'urgence on arrête le couvre-feu pendant 3 mois on vous a donné la liberté de faire ce que vous vouliez on vous a donné des fonds pour permettre pour avoir ben plan de résilience maintenant il est temps que vous veniez au moins nous wartan ci lolu parce que c'est un des éléments ce travail d'évaluation là dañ koy jël duggal ko ci planification ou plan de relance bi. Tu ne peux pas planifier ben plan de relance alors que ce plan de résilience stratégie de résilience bi nga door ci réew mi pendant 3-4 mois nang wo ci wax est-ce que tu peux mobiliser tout le Sénégal autour ci plan bi wara génné réew mi ci jafé jafé fi nek 2024 bu fekkante né yow li fi xew ci ñenti wér yi ci tiet buñu gisul ci xaaliss buñu sédélé ñu xamu ñu ko sédélé ci police bi ni mu don traiter citoyens yi toutes ces questions là le corona business hein, Matar merci Matar Nyanga diko préciser tous ces éléments doivent être l'objet d'une discussion c'est un des éléments entrants buñu wara dougal ci planification donc ça c'est un point important bu nga xamné il faut mu dougu maintenant dégg na ñu né mune dans son discours suñu taux de croissance da fay joggé 6.8 dem 1.1 encore ça c'est une récession on sait que les économies vont aller vers une dépression té ñun malheureusement notre économie c'est une double extraversion c'est-à-dire que lépp lo xew ci aduna bi ñun day dal suñu kaw parce que justement amuñu économie on n'a pas voulu bâtir notre économie s'il vous plaît partagez le live pour niveau bi gëna yok donc amuñu économie on n'a pas bâti une économie 90% des Sénégalais sont dans l'informel de quelle économie on parle suñu économie c'est l'économie des c'est nga xamné étrangers yé ko yo té étrangers yu c'est un pays d'accueil mi ngi entré en récession donc bari nañ ñun nan suñu taux de croissance da fay reus en fait li dara reus ci taux de croissance moy li nga xamné c'est les capital étrangers c'est des entreprises étrangères ñoko liggé ci réew mi donc voilà le mal voilà le problème ce qui fait que mënu ñu né aduna bi da fay dugg récession ñun ñu né day dugg dépression ñun ñu né ñun ci récession lañu yëm. Voilà encore un mauvais élément d'évaluation. Il faut s'attendre au pire. Il faut analyser le plan de relance économique en prenant comme élément du contexte sur le long terme que on va vouloir relancer l'économie dans une période où nous avons un très haut risque de dépression économique. Parce que bon angle dans ta planification, faire face au scénario le plus pire, tu ne peux pas avoir un plan de relance pour pertinent parce que tu ne veux pas voir la réalité. Mounouni am économie, mounga hamne, c'est dominé par l'étranger. Tous les pays étrangers, nyom nyop nangounen nyonge demte dépression, yaungane yaou, tu vas planifier dans un cadre où c'est ben élément de référence, moins une récession. Tu ne peux pas faire ça. En tout cas, moi je ne le ferai pas. Maintenant, amna des éléments yo xamné buñu bëggé relancer am un plan ben plan de relance pertinent ces éléments là fokk ñu chambar ko da xora bokku ci yi nga xamné dañ ko wara tek ci table ji waxtan ci mu leer ci bop nit ñi bala ñuy xam waaw dans cette situation là relancer l'économie nuy mëna nekk premièrement il faut que ñu def évaluation ak une prévision de nos ressources budgétaires pour les années à venir. Ressources budgétaires yi nga xamanteni ni coronavirus bi ak et surtout pas coronavirus bi sax couvre-feu bi ak l'extraversion de l'économie ça aussi c'est important que nit ñi xamné bu suñu économie neurmélo ñaari mbir la parce que ñun suñu économie c'est dominé par les étrangers et que le gouvernement a décidé un couvre-feu au moment où c'était pas le moment de le faire voilà le deug di buñ ko bëggé waxanté moy deug bi couvre-feu bi mënon nañ déclarer état d'urgence sanitaire. Les couvre-feu bi nak on va le faire ci 3e ci période biñu japp né période bobu ko on aura le plus de morts donc couvre-feu biñu décrété pendant 3 mois 2 mois ci réew plus le fait que amuñu économie sunu économie dafa wékku ci biti parce que pendant 7 ans tabaxuñu on a passé notre temps à nous endetter pour financer des entreprises étrangères dans des travaux comme on connaît comme par exemple TRB lol tay moñu andi problème donc il faut que ñu nangul le diagnostic parce que tu ne peux pas faire un plan basé sur un diagnostic complaisant ou mensonge. Ça marche pas. Il faut que nga nangou wax deug bi. Donc premièrement, il va falloir que nous wax
quelles sont les ressources budgétaires, quelles sont les ressources financières que nous avons? Dans les 3 ans à venir, qu'est-ce qu'il va rester? Qu'est-ce qu'on va avoir? Parce qu'un plan, d'abord, c'est les moyens. Il faut faire l'état des lieux des moyens. L'année, dans les 3 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de recettes? Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de fonds extérieurs? Faut que nous voir quoi, Sénégalais. Lolo, Beguna, les ministres là, du temps. C'est important. Parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de venir analyser ben plan de relance sur 3 ans, 4 ans, bien sûr, alors que vous ne leur dites pas quel est l'état des lieux du point de vue de notre économie. Ça n'a pas de sens. Deuxièmement, la dette intérieure. On nous parle de 400 milliards d'euros. Comment on va traiter cette question de la dette intérieure? Parce qu'elle est fondamentale. Dette intérieure, c'est de l'argent que nous avons donné aux entrepreneurs. Est-ce que d'ailleurs, ça entreprise, à cause du coronavirus? Plan de résilience, parce que vous avez dit que vous avez débloqué de l'argent pour sauver des entreprises. Combien d'entreprises vous avez sauvées? Combien d'emplois on a perdu? C'est une évaluation. Vous ne pouvez pas passer ça à perte et profit. Vous n'avez pas de plan de relance. Plan B, vous dites faire le livre, nous avons le plan de relance économique. Yen Sénégalais, ce qu'on appelle les porteurs stratégiques. Nous avons porté ce plan de relance-là. Vous faites qu'internet, ce que vous avez dit au début, il faut compter sur nos propres forces, compter sur nous-mêmes. Il va falloir nous avoir un plan pour l'économie informelle. Parce que 90% des Sénégalais sont dans l'informel. Plan de relance économique du Sénégal dans les 3 ans à venir, nous te sous-estimer comment faire pour que l'informel sorte de l'informel. C'est fondamental. Fondamental. S'il vous plaît, partagez le live. Bitu top l'agriculture, la question agricole. Les agriculteurs n'ont pas à produire. L'année n'ont pas à def pour agriculteurs mener produire. Produire, on a vu ce qui se passe dans ce pays. Des villages existaient. Bon, c'était avant l'indépendance. Le village existait. Un village qui existe, ça veut dire que village yoyu, souvent les agriculteurs, fournis d'aime de faire installer le village, c'est parce que nous avons une source accès au. Lolo est déterminé quand le monde rural choisit ben village. Lolo est déterminé. C'est toujours déterminé par qualité souci et accès à l'endormi. Avec pluviométrie zone bob. Lolo moi déterminé village que nous sommes. Bonne village unique au Sénégal. Nous max Sénégal. N'engler bi bo demé bo mo max Sénégal. Bonne ay village ay village d'Ayam, man mi nek Baol, village yoy de Guémé, nous max Sénégal. C'est des villages qui existaient avant même l'État sénégalais indépendant qu'on connaît. Village yoy dañu amone sen souf. Donc depuis plus de 100 ans souf yoy ñu koy route. Diko entretenir, diko exploiter, amul garap, beaucoup mon yacht, n'y mu bon mu yeb dindi nañ ko. Chaque année, sous sous ce moyen dundal village bi. C'est sous sous lañu jël, diko jox, diko nangu ci ay nit, ñu nga xamné sen mamati mam ñu ci liggéey, diko jox un agro business, un homme d'affaires qui est proche de la famille présidentielle, tout simplement parce que mom mën nako am, mais village ak mënu ko am. Rupture d'égalité bobu, c'est inacceptable. Mënu ñu né l'acteur le plus important après le secteur informel pour relancer notre économie, c'est l'agriculteur. Et que l'agriculteur dit actif, actif financier, actif dans une insécurité totale, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, tu as dit de nous recenser tous les grands villages, tous les grands villages, organiser des paysans en coopérative, de le titre foncier, Jorlen connu, sécuriser son capital. Beaucoup de fait avec ces titres fonciers entre les mains. L'entrepreneur agricole, si vous avez dit, soit vous avez entre 2 hommes d'affaires, vous avez dit que 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 vous avez loué que vous avez dit 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 mais si vous créez vous avez dit mais il y a des problèmes que vous avez dit. Vous avez dit l'agriculture que vous avez dit, cheville ouvrière de la relance économique, bon, après, les agriculteurs, ngaleni neewal doole ci rew may wax ni ñi nan dañuy négocier boy négocier da ngay négocier ku nga xamné ni
Les mots d'œuvre, c'est légal, mais quelqu'un qui vient de voler des terres des gens, on négocie pas avec des voleurs. Donc, lolu fokk mu leer amuñ ci sax luñ ci wax lu illégal duma sa légitime lu illégitime duma sa légal c'est pas possible ça n'existe que dans la république dans votre conception de la république elle n'existe pas dans la mienne de conception base république moy citoyen yépp dañuy nek dañuy am égalité devant la loi et quand on se rend compte que la loi est détournée pour parce que l'esprit de la république c'est l'égalité des citoyens. Nit ki do ko fekk lu nga xamné avant même ñuy samp république du Sénégal ay mamanti ci mamam di leen doon dundu ngeen nangu ko ci ñom demu ci kay ba nopi na légui dañuy négocier lutax ñu négocier ci lolu moi je négocie pas sur ces questions là c'est une question de principe on ne négocie pas avec le principe on l'applique motax manan un homme d'état da nga wara am ay valeurs ba nopi am courage ces valeurs amna yo xamné kenn ci négocier. Donc, l'agriculteur, qui est un élément important qui plan B, les artisans, parce que artisans, ils ont une ligue qui est pour tout ce qui est dérivé de l'élevage, dérivé de l'agriculture, donc les plein de volets, hein, agriculture, élevage, pêche, il y a un petit le bon. Il faut en faire des acteurs économiques forts, sinon on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Et nos hommes d'affaires viennent maintenant travailler avec ces artisans, travailler avec ces agriculteurs, travailler avec l'informel qu'on doit sortir de l'informel. Il faut voir en chaque Sénégalais de l'informel un potentiel entre petites et moyennes entreprises. C'est ça la vision ou nouvel plan de relance de l'économie. Chaque Sénégalais informel, beau texte Bodrek, regarde un entrepreneur en devenir, regarde un chef d'entreprise, ou un employé, deux, trois personnes. L'économie canadienne, employée en Canada, plus de 90% des emplois créés au Canada sont des emplois dont les salaires proviennent des petites et moyennes entreprises. Donc, vous savez, le développement au Sénégal, il faut le mettre, les petites et moyennes entreprises. Mais ce qui est tout ce qui est, avant de parler de ce qui est, de relance économique et tout ça, il y a un préalable, donc vous savez, il y a un préalable qui est le plus important. Waxna ko légui la réforme foncière fokk ñu réformer souf ci fokk ñu waxtaan souf ci hectare bu nekk dañu wara wax né hectare bi mbay lañ ci wara def hectare bi dëkk la wara résidence la wara doon activité yi lañ fermé hectare bi industrie la wara doon hectare bi zone forestière la wala hectare bi zone aquatique la hectare bi c'est du littoral fokk que la loi foncière puisse nous sortir ben plan géomatique bu ñuy wax souf Sénégal souf su nek lan mo ci gën boudé Sénégal souf si fi nek ñep ñang fay def la gën ci souf sa mais réew mi day gën jëm kanam c'est évident mais bu fekkante né fuñu wara bay ñun fo lañu dem dëkk fo xamné ndox mo fa wara dem ñu dem dëkk fa nga def investissement immobilier 3 ans 4 ans après nga perdre sa xaliss hein fu nga xamanteni ni station balnéaire fexlu commerce ak def sport moy plage yi ak des infrastructures hôtelières yo xamné mën na cohabiter ak activités sportives familiales yoyu boudé zone yoyu nga xamné lolu moy li fa gëna mëna andi alal dañ koy jël ay nit di fa dëkk bénn nit dëkk fa ak ñu def fa hôtel wala ñu def fa salle de sport wala ñu def fa station balnéaire mais ban mo ëpp solo pour askan wi ce débat là qu'on doit poser c'est un débat de ce qu'on appelle l'usage de nos terres. Zone yi nga xamné c'est des zones aquatiques moy zone yi nga xamné dafa am ndox même digënté bokk na Canada ni ñi xamé né waro tabax bu jégué geej moy digënté geej gi souf ci ak kër yi ya ce qu'on appelle une végétation semi aquatique végétation bo nga xamné dafa naturel parce que végétation bu nekk boru geej la végétation bo mom moy la ligne de démarcation entre plage geej gi plage bi végétation bi ak kër yi té avant kër yi souvent première rangée bi c'est tous des zones d'hôtel. Nga xamné kër yi hôtel yi zone végétation semi aquatique bi souf ci plage bi après geej bi voilà comment on fait. Mais malheureusement dans ces pays on marche avec la tête du tanki tek ci kaw jël bob bi def ci souf alors que c'est la tête qui doit penser avant que tanki bi def mais malheureusement ces pays c'est ça donc travail bobu nga xamné c'est une étude du foncier pour ñu xam l'usage des terres buñu paré nak territoire bu nek gënné son plan d'aménagement
par exemple Bawol guéné son plan d'aménagement inspiré de xam xam biñ ko jox ci soufou Bawol Casamance def non ku nek territoire bu nek guéné son plan d'aménagement du territoire municipalité yi soukandiku ci politique foncière plan d'aménagement pour guéné ñom sen plan d'urbanisme ndax ne dafa respecter lool yépp li xam xam la mais bobu day fekk ñu am décentralisation bo xamanteni ni décentralisation bo xamanteni ni justement Macky Sall erreur ñu dëkk def moy dafa ñëw dindi les régions dindi région alors que la région moi moy vraie collectivité locale parce que région moy chef de file du développement économique bo jangé les compétences municipales compétences yi gëna sew yi nga xamné c'est des compétences de service de proximité koku c'est la mairie qui le fait moy mbalit ni propreté bi xam nga soxla kay ça c'est la ak gestion marché ak yoyu Salam Babacar Diop yoyu c'est des services de proximité lycées yi collèges yi hôpitaux yi nga xamné c'est des services qui sont souvent difficiles envergure bi day dépasser commune bi ça c'est les départements mais dès qu'on rentre dans l'économie dès qu'on rentre dans l'aménagement du territoire dès qu'on rentre dans la protection de l'environnement dès qu'on est dans le transport dès qu'on rentre dans les grands secteurs yi nga xamné day configurer le territoire c'est la région est le chef de file du développement économique et de la planification du développement lolu lañu jangalé ci université en tout cas man lolu lay jangal élève yi ma yow donc partant de là mouno ñeu nek président de la république de supprimer la région juste pour de la politique politicienne pexé politique tax nga ray décentralisation le ci gëna am solo planification du développement et planification de l'économie nga dindi la région juste pour, parce que da nga bëgg politique parce que mo le gëna bugo am ay chef de région yo xamné dañuy am doole di assumer le développement des régions alors que lolu c'est dans ton intérêt mais nak xam xam du pexé boy yoré réew mi ci pexé rek moy da ngay def li ngay def do ko tek ci xam xam alors que xam xam mom boko topé jam rek ngay am mais pexé mom musiba rek lay jur buñu wéso décentralisation ñu ñëw ci la question de l'eau et la question de l'électricité de 1960 à aujourd'hui jusqu'à maintenant régler wuñu question ndox ci réew mi mais c'est une abomination c'est je me rappelle bi may jang yé ma nek INPL suñu prof de géographie mu nan force romain yi ni taxone romain yi mënon di conquérir moy fuñu établir ils étaient capables d'amener de l'eau ba fofu les canalisations canaliser ndox génné ndox parce que ndox kenn duko défar danaka dang koy génné ndox ci souf ci canaliser ko rewmi am ndox ça rek on n'est pas capable de faire ça waxuma sax on n'est pas capable de produire de l'eau mais exploiter ndox sax il faut ñu wowe ay tubaab ñu ñew duñu exploiter suñu ndox. Avec ça, vous nous parlez d'émergence. Vous nous parlez de résilience et de relance. Ndox rek mënuñ ko exploiter. Électricité. Nga xamanteni ni on a vu le scandale à Kili. Amna article bu ma ci wadja def, bobu moy tej lamb ji. Comme ciow di bari na dama nan tek ba lepp deugal ma gennel len bu nga xamne mom day nan bu ne weng wan len fi deug gi nek. Ñun li ci nek xam nañ ko bokku ci ciowli nak xam li xew moko gën mais akilé sénégalais bu ngi ko sampé ba légui ya que des faillites chaque année mu déclarer perte seule année bi nga xamné DG bi doon na jéma déclarer bénéfice année bobu cabinet comptable yi waron évaluer état financier yi dañ ko bind lettre né ko ñun duñu jox validation état financier ou sénégalais parce que l'air donc bu fekkenté né yow réew mi amul électricité réew mi amul ndox souci baaxul décentralisation bi doxul mais comment tu veux nous parler de relance économique xam xam du pexé bëss bu neñu wax lan ko bala nga xam nak né xam xam du pexé ngay sak pexé ci lo xamné amo ci xam xam bëss bu conséquence ñëwé nga xamné loxo amna fan yi lañ doon wax à chaque fois tay di lepp luñ leen doon wax coronavirus wone na quand on vous parlez de la décentralisation comme nañu tapé len suma tour Moussa Balla fofa na décentralisation premier article bima meussa bind bima démissionné du gouvernement moy la décentralisation ou la je pense dama xawma titre bi li xawma rampe de lancement de l'émergence la ko tuddé won premier article bima meussa bind décentralisation moy rampe de lancement ou émergence notre économie il faut une stratégie de développement des territoires. Penser l'économie depuis les territoires, industrialiser. Bon enfant,
naka nga mëna même li yëpp buñ ko défé buñu amé réforme foncière décentralisation yëpp def au mais même buñu produire mais cette production faut ñu transformer quoi. Mais comment veux-tu que ta population soit capable de créer des usines de transformation pour faire qu'entendre? On passe notre temps à élever du bétail électoral. On ne veut pas éduquer les Sénégalais parce que beaucoup de Sénégalais y sont, 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 parce que politique, les arrangements sont un bétail électoral. Bétail électoral, vous ne pouvez pas éduquer, vous ne pouvez pas faire. Parce que si vous avez commencé à faire, éduquer, vous ne pouvez pas faire d'autres choses. Te comme doto len nax doto meuna yor rew mi parce que amo xam xam bo yoré rew alors que xam xam mo noppal ñu du meuna nak dama xam lepp bañ na ko ñala la xam xam plan bi doxal rew ñeppay ñew ku nekk li nga xam nga andi ñu défar même buñ défaré sax du tax mu baax dañuy défar teurel ci bi teurel bi ñuy joyanti ak défarat mais au moins am gëm gëmu ne xam xam moy yor rew quand je dis xam xam du pexé waxu mané dama am xam xam wala ma fi ëpp xam xam ngëm ngëm la gëm gëm né xam xam lañu yoré rew xam xam nak kèn do xam lépp mais ñun ñëpp bu ñu bolé mu xam mëna jëmal rew mi kanam c'est ça gëm gëm la philosophie la état d'esprit la né xam xam ay yor rew mais rew mi sénégalais di koy sénégalais moy lu né tél mu né na ci sak xam xam na ci sak pexé bul sak pexé mukk ci lu nga xam né amu wuti wo xam xam di mëna ci wala woro démonter ci ci xam mu wax la. Donc li rek la né won dama koy andi ci waxtan bi buguma laaj bi tuddu c'était juste que comme defon na waxtan ci wa DTV et que lima ci don yok ci waxtan wi mi ngi won ni ci ay keuyit mané na ñew partager ko yeen ci ben live comme ça mu gëna d'autant plus que live bi dafa coupé may nuyu ñep je sais pas si j'ai eu des questions. Cléve Sao, mouné, si on crée des supermarchés qui vendent des produits locaux à la place de Auchan, favorisant le maraîchage dans nos villages, après être une bonne graine. Effectivement, même Auchan, centre commercial, avec nos municipalités, nous avons un programme municipal de création de centres de commerce. Dans toutes les municipalités. Mais bon, nous avons une décentralisation, on a plus de 600 maires. Sauf là où il y a 600 maires. Sauf là où on n'en a pas besoin. Taïdi, on a des produits agricoles, mais les cultivateurs de Nengalère, nous avons moins de sensous. Nous avons une éducation, Djangal Sendomi, Bassendomi, on a le même niveau d'éducation de qualité. On a Internet, on a courant, on a salle de classe, on a formé en mathématiques, en sciences, en gestion des entreprises. Mais les enfants des vieux de Nengeler là, quand ils vont reprendre le foncier pour nous dire lancer des fermes agricoles, vous pensez qu'ils vont le faire comme une semaine minimum de fois? Non. La révolution agricole, faut-il. La révolution agricole, c'est le foncier des villageois et l'éducation des enfants, plus une politique municipale qui leur donne ce qu'il faut en termes d'internet, d'eau, d'électricité. L'éducation des enfants des villageois. Moi, je prépare les futurs entrepreneurs agricoles. Créer au Hamham là. Sunu tuba bi ñoo ñu sonal waaw tuba sax tuba la rek nit ku ñuul ñun mom dañu xawa complexe l'eau un secteur stratégique absolument enjeu sanitaire tay on veut vivre avec le virus on n'a pas d'eau on veut faire la réforme la relance de l'économie avec l'agriculture on n'a pas d'eau Seydina Ousmane Manglé nuyu maxi de partage waaw live bi da naka jeexna il est 38 là dans 2 minutes ma arrêté baba pouy ma ngi lay nuyu bu baakha baax waaw comme question yi bari wul en tout cas fi la koy yemalé ma leni gëreum yeen ñep c'était juste ben waxtaan bu ma lancé won ni rek annoncé wu mako mais kiko bëgg sétan mën ko mësana en tout cas li ñi wax rek moy réew mi soxla na ay doomam yi ndax ñetti at yi ne sunu kanam dina nek ñetti at yu nga xamanteni ni te fatena ko wax buñu dé dañuy def plan de relance il faut se séparer avec ces 50 ministres là il faut se séparer de ces 50 ministres là parce que le contexte change il faut une nouvelle vision il faut un nouveau plan il faut ben une nouvelle structure et puis nak franchement politiciens ñu tek leen fa le wut ay techniciens yi nga xamné dañu dugg ci liguey bi
Parce que li moy liguey bi dama fi wax ni moy liguey bi def une bonne gestion de nos ressources budgétaires am une stratégie de gestion de la dette hein def suñu stratégie de étudier la résilience yeen entreprise ñoo sonu jamono ji jappalé len xam nga xol l'informel l'agriculture les artisans xol nos hommes d'affaires pas nak nos prédateurs d'affaires mais nos hommes d'affaires def une véritable réforme foncière d'identifier les zones urbaines zones yi ñu wara dekk dans le contexte du développement durable zones de commerce industrie forêt protection et exploitation des terres agricoles ou def une décentralisation sérieuse def une véritable politique de l'eau et d'électricité bon appui fexé ba éducation éduquer nit ñi mënu ñu yor réew mi té ñi fi ëpp mënu ñu lire mënu ñu bind jang ñu mën ta nek ce sont les populations qui développent un pays donc c'est fondamental li dal la amone lo xamné bëggon na ko partager ak yeen ci rapidement comme ni ma koy waxé xam xam du pexé du parti politique du mouvement philosophie la gëm gëm né nit ki loy sobulu né nga gëstu ba xam éduque-toi formez-vous, gestule, analysez-le. Il faut avoir un plan, il faut avoir une vision, il faut exécuter ton plan. Ni démarche bobu, gëm gëmu ne xam xam mo yor aduna. Dañu bayyi pexé lepp parce que chaque pexé ci lo amul xam xam musiba la. Ay lorangé rek lay jox. Dama leni gëreum yeen ñepp kenn ku ci nek tudam ak santam di len jox dox dajé ba benen inshallah. Thank you.